Bonjour à tous, c'est Frenanco et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois je suis sur une map et je vais donc vous montrer plusieurs petits trucs. Oui, là malheureusement la disparition de YouTube le 1er janvier, bah elle approche bientôt, hein. Et puis sinon au niveau Minecraft j'ai réduit quelques bugs parce qu'avant ouais avant ça buguait un peu plus. Du coup là j'ai décidé de baisser les chunks comme ça, voilà, c'est plus simple. Après quand je fais un rec, franchement c'était hyper fluide, hein, cette map avant, mais bon, quand je fais un rec vous savez que ça bug. Bref, je sais pas si ça vous dérange pour les prochaines vidéos que ben, qu'est-ce que il y a toujours un truc en dessous, ça m'énerve à chaque fois que je découvre un machin là. Ah oui, les échafaudages. Ah oui, en plus ce machin c'est profond, mais j'ai rien en bloc, moi. Bon. Je vous disais, si ça vous dérange cette que j'ai dans la main une autre carte, et ben dites-moi, ben, ça me dérange, mais Freddy and Co, que t'as une autre carte, et je l'enlèverai, hein, avec plaisir. Ah oui, alors oui, juste, j'avais oublié évidemment de me mettre en survie, hein, parce que sinon c'est pas marrant. Je me suis givé un petit stuff en fer. Oui, je me disais, mais pourquoi je récupère pas les blocs? Voilà. Alors oui, donc oui, ça, du coup ça bug légèrement un peu, hein. Alors je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, justement. J'avais remarqué ça il y a pas longtemps. Je sais absolument pas ce qu'il y a. On va plutôt utiliser le hache en fer. Voilà, ça va beaucoup plus vite. J'ai pas trop envie de tomber dans le trou, parce que même parce que ça quand ça bug, moi j'ai pas trop envie de faire des acrobaties et tout ça, hein. Ça me dérange. Alors, donc on va poser mon bloc là, hop. Et on passe. Alors, donc qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah, déjà, il y a un petit monstre à se battre. Alors, je comprends pas pourquoi ils ont foutu des. Mais c'est quoi encore ce délire? Qu'est-ce qui. Ah oui, en bas, c'est une espèce de fosse à monstre. Ouais, je crois que j'avais vu ça. Bref. Je sais pas. Bon, cette map est un peu bizarre, hein. Puis, il y a des amis qui me l'ont modifié pour me faire une blague. Alors, ça n'arrange absolument rien. Ça n'arrange absolument rien, franchement. Alors, ils ont caché des boîtes à Schulker, je sais plus où. Et j'aimerais bien qu'ils me givent des torches, là, parce que j'ai pas. Bon, sous la fontaine, j'ai déjà vérifié, il y avait une Schulker bleue. Hein. Une Schulker bleue, pardon. Donc, on va un peu voir ce qu'il y a. Donc, c'est un live. Hein. Enfin, c'est pas une vidéo, depuis le début, c'est un live. Sauf que je règle quand même au cas que ça marche. Au cas que ça marche pas, enfin, au cas que je parle dans le vent pendant. Enfin, j'ai déjà parlé dans le vent, toujours, donc voilà, c'est mieux de faire. C'est mieux de faire un hack comme ça. Alors, pourquoi ils ont pas caché le Schulker dans la bibliothèque? Bon, en gros, ils ont caché trois boîtes à Schulker, voilà, j'ai déjà trouvé une. Et le but, c'est d'en trouver plusieurs. Ils m'ont dit que j'avais pas besoin de miner de blocs si je voulais trouver les Schulker. Donc, vraiment, j'ai pas besoin de miner. C'est un peu lugubre, hein, quand même. Peut-être là, non, je sais pas franchement où ils sont là. Peut-être que, ouais, moi la carte de la main là, ça me sert franchement à rien. Bon, si, un peu me localiser dans la pièce, bon, non. Dommage que j'ai pas. Ah, vous verrez, je vais faire bientôt un mashup 11 où il va avoir les trucs de la vie là. Alors, oui, mais c'est sombre là. Pourquoi pas de torche? Bon, alors on continue. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ouais, il y a encore longtemps à explorer, hein. Attends, attendez. Peut-être ici. Ah ouais, ça m'étonnerait qu'ils n'ont pas caché ici. Non. Non, mais ils les cachent bien, leur Schulker. Hein. Ils les cachent bien. Bon, la vidéo va se nommer Cache-cache de Schulker. Bref, vous verrez bien. Ouais, de retour, c'est toujours failli en con. Hein. J'ai eu un petit bug encore, hein, vous savez. La routine, hein, les bugs et tout. Alors, donc on va explorer en haut. Oui, pour régler le petit bug, en fait, c'est le problème du noir encore. Enfin, du coup, je me suis mis en créatif. Alors, attendez, on va encore vite régler ça. Je sais, je vais bien me mettre en créatif. Mode de jeu par défaut. Ah, mais pourquoi ça marche pas? Voilà. Ah, mais non, mais je voulais pas me mettre en créatif, je suis bête. Oui, alors en fait, oui, c'est un petit bug bizarre. En fait, il fallait juste un peu éclairer parce que sinon, enfin, sinon, je n'allais pas m'y repérer du tout. Alors, donc, on continue. Est-ce qu'ils ont caché de boîte à Schulker là?
Bon, alors ils m'ont dit, ouais, ils ont caché plusieurs boîtes à Shulker partout, donc je sais pas. Ah, là, ici, c'est bon, là, il y en a une. Et ben voilà. Ok, bon, l'étoile, allez, hein, ça sort toujours. On va tout récupérer, on s'en fout. Alors, c'est un stack de toiles à peu près. Ouais, je crois que c'est un stack pile, hein, ils se sont pas embêtés à faire le tout. Ah, yes, 64 torches, ça m'arrange. Parfait. Alors oui, vous avez vu mon nouveau système de trucs, hein, c'est pas plus pratique, mais disons que ouais, c'est plus beau à voir à niveau vidéo. Alors, ok. Alors, pourquoi je peux pas monter? Ah mais oui, mais ils ont enlevé une échelle. C'est compliqué. C'est compliqué de monter s'ils ont enlevé une échelle. Bon, voilà. Alors, donc, oui, j'ai toujours mon petit problème avec les échelles, hein. Donc là, en montant en haut, alors, on est... Bon, okay, bon. Après, moi, je suis pas trop comme ceux qui speed et qui sautent un peu comme ça, même si j'aime bien. Voilà. C'est marrant à regarder, mais c'est pas si facile à faire comme ça. Ok, bon, on va monter là bientôt. C'est quoi ce truc? Et il voulait me faire croire que c'est une boîte à Shulker, hein. Eh ben non, c'en est pas. De retour, donc oui, encore un bug, hein, oui, désolé pour les bugs. Oui, donc c'est une vidéo, oui, bah, qui va forcément durer très longtemps, hein. Enfin, normalement, le live, vous l'avez en complet, hein, vous l'avez vu, le petit bug. Mais bon, je pense que ça ne va pas marcher, puisque j'ai eu des petites nouvelles depuis. Alors, donc, on va explorer un peu les pièces. Ouais, donc ça, c'est une chambre. Ah, une boîte à Shulker bleue. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, quand même, un livre enchanté, c'est quoi? Ah ça, protection contre le feu, et plein de trucs. Bon après il faudrait que j'aille un peu miner de bois dehors, et là je peux me faire encore du fer. Hein. Alors d'ailleurs est-ce que j'en ai du bois? Eh ben non, eh ben on va s'en prendre. Hein. Oui donc c'est en fait un manoir hanté, voilà, ils m'ont proposé de le visiter en fait, parce que le challenge l'autre fois on l'avait un peu raté, voilà, du coup là je me suis dit, ce sera bien qu'on se refasse un truc comme ça. Alors la carte, je sais pas si je vais l'enlever de la main, parce qu'elle sert un peu à rien. Bah oui, je crois que je vais l'enlever de la main, voilà. Voilà, la carte, elle servait totalement à rien. Alors, donc, on va un peu miner de bois. Mais pourquoi je prends toujours ma pioche pour miner le bois? Je me crois... Ah oui, et du coup, ça, bah, vous savez quoi? Ça va être une petite entrée sur l'autre machin. Alors, comme ça, je me prends... Ouh, c'est quoi ça? Ça, c'est pas normal. Ça, c'est un bug, par contre. Ah non. Non, non, c'est... Non, en fait, le bug noir, c'est un peu les trucs des torches, là, qui font ce nom. Alors, donc, oui, du coup, j'ai un peu pris de planches de bois. Du coup, on va se faire une table de craft. Voilà. Oui, c'est plus agréable à voir, hein, vous voyez, comme une vidéo, le truc. Alors, on va se prendre la table de craft. Elle est où? Elle est ici. Bon, j'ai un briquet, hein, mais ça sert un peu à rien. Ils l'ont mis dans la boîte à Shulker que je trouvais au début. Alors, voyons, donc du coup, on va pouvoir se faire des armures et tout ça. Alors, ok, le plastron, le pantalon, le casque, les bottes. Et on va se faire des bottes en... Non, 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 non. Non, non, quoi que ça sert à rien. Alors, donc, on va mettre tout cet merveilleux équipement. Comme ça, je serai un peu préparé s'ils m'ont mis une surprise. Enfin, je pense que c'est un peu pour me préparer, en fait, qu'ils ont fait ça. Donc voilà, je sais pas. Hop, les bottes et ça. Et je reprends. Allez, on va dire que je prends la carte en main. Parfait. Alors, oui. Alors, donc on va continuer. Hein. On va continuer voir s'ils m'ont caché des boîtes à Shulker là-dedans. Là, on peut monter. Ça sert un peu à rien. Qu'est-ce que c'est que ce. Il y a des trucs bizarres dans cette map. Je sais pas si c'est fait exprès. Mais enfin, c'est une map qu'on a téléchargée un peu gratuitement. Donc, ça. Je sais pas. Alors, on va aller voir en face. Hein, ça se trouve, il y a une autre boîte à Shulker très près d'ici. Non. Mais c'est quoi ce truc là? Il faut tout que j'illumine là. Sinon, ça bug d'un point. Alors, donc, non, il y a absolument rien là. Absolument rien. Alors, oui, dans cette vidéo, désolé, il n'y aura pas de montage. Je vous préviens tout de suite, et ben non, hein, parce que live on peut pas trop faire de montage, et puis même sur l'autre vidéo que je vais sortir après, si le live n'a pas marché, il n'y aura pas de montage aussi. Alors pourquoi là c'est déjà ouvert? Est-ce que je tourne en rond? Bah oui. Ah non, si, ça l'a vu. Je sais pas. Alors on va continuer là-bas. Donc si on croise des petits monstres après, on pourrait facilement s'en occuper. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il y a l'eau, mais sinon. Sinon on dirait qu'il y a un truc en haut, je sais pas. Bon, faudrait que je trouve une boîte à Shulker avec un arc là.
Non, il y a pas de Bottle Shulker dans l'eau. Enfin, bref, c'est la cache-cache de Bottle Shulker. Bon, après on se la refera dans une autre map. Bon, alors oui, je disais au début, étant donné que malheureusement il arrive bientôt la date du 13, enfin du 1er janvier, je voulais dire, l'article 13, eh ben, je crois que. Ma chaîne YouTube, entre guillemets, va être supprimée. Bah, du coup. Voilà, si c'est le cas, c'était quand même, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je m'étais franchement bien amusé. Alors voilà, c'était juste pour vous dire qu'après, je ferai une vidéo quand ce sera la fin. Alors, je ne sais pas pourquoi les toits sont aussi hauts. Je comprends pas la logique. Ah, mais ça se trouve, il y a un truc entre les portes. Non, non, il n'y a rien. Oui, bah là, s'il cache une boîte à Shulker entre les portes. Alors, je vais continuer. Alors, on va aller sur le côté, puis après devant. Alors oui, ça bug quand même un peu, hein. Voilà. Ah, il fait nuit dehors, d'accord. Ouais, ça, c'est sympa, ça. Je trouve cette pièce très sympa, mais je pense qu'on va se le faire en repère, hein, pour prendre les trucs. Ah, peut-être qu'ils m'ont caché une boîte ici. Eh ben non. Mais ils cachent des boîtes vraiment partout, mes amis, ils cachent des boîtes partout. Bref, c'est des fous de boîtes Shulker qu'on planque partout, en gros. Hein, voilà. Alors, donc, je vais continuer là-bas. Alors, c'est bizarre que j'ai pas encore trouvé de boîte dans ce coin-là. Je sais pas, il y a des petits trucs en haut là. Je comprends pas comment ils ont fait pour le système des fours. Bon, on va un peu éliminer les trucs de bois là. J'aime pas les trucs noirs. Alors, je comprends pas pourquoi ça continue à bugger alors que j'ai baissé les trucs. En fait, ça c'est totalement à cause du rec que ça bug. Bref, vous verrez après. Alors, je vais continuer. Alors, attends, excusez-moi pour l'interruption. De retour sur cette vidéo, décidément, déjà en 11 minutes, 12 minutes maintenant, tout le monde m'a appelé. Voilà. Hein, franchement, pour le live, c'est pas sympa. Hein. Heureusement, j'ai trouvé une appli pour monter un petit peu pendant que je fais un live. Donc, du coup, en fait, j'ai mis une image, merci de patienter, problème technique, pour les spectateurs qui me regardent. Hein. Alors, je sais pas, j'arrive pas à accéder au nombre de spectateurs qui me regardent en ce moment. Je sais pas trop. Hein. Bon, alors, donc, ça bug et ça m'embête. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Encore un mur tout noir. Je déteste les murs tout noirs, enfin, les endroits. Alors, les torches éclairent un truc. Vous ne trouvez pas que ça, c'est un bug? J'en mets une torche, il y a tout qui s'illumine d'un coup. Bon, alors, ah, je suis sûr qu'ils en ont caché une entre les bibliothèques. Quand même, là, s'ils font pas ça, ils les ont mieux cachés. Enfin, ils aiment bien les cacher. Enfin, c'est leur manie de bien cacher leur truc. Hein. Après, je sais pas, peut-être qu'il y en a en haut, j'en sais rien. Il y a une dernière à trouver, ils m'ont dit que c'était la hyper dure à trouver. Alors, est-ce que ça va être vraiment hyper dur? Ah oui, ça c'est pour accéder au balcon du coup. Alors, on va pas mal. J'ai pas mal éclairé les alentours. Mais là, je pense que les mobs pourront pas tarder à venir. Sur le balcon, j'avais déjà croisé des mobs ici. C'est pour. Alors, je continue. Alors. Ouais, je porte pas mal de torches là. Alors, encore un truc tout noir. Ah, de l'eau. C'est quoi ce truc là? Je ne comprends pas. Si je mine ça, c'est pas. Non, ça peut pas être emporté du Nether. Non, pas ça, je comprends pas. Alors, ok, donc décidément, mes amis me préparent des surprises, je les déteste. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce portail de psy? Je suis sûr qu'ils ont caché un truc. Ça doit être encore une boîte à Shulker, un truc du genre. Mais ils m'ont dit que j'avais pas à miner de blocs et en même temps. Ouais, peut-être que j'en ai pas miné en fait, hein. Ok, j'arrive ici, dans une chambre. Très mystérieux, peut-être qu'il y a un truc à voir sur cet angle. Non, j'en sais rien. Bon, en tout cas, le truc de l'opsy, c'était pas une très bonne blague. On va miner là, on va un peu voir comme ça qui se passe dehors. Parfait, alors. Bon, alors dehors, bon, rien de spécial, là je suis au bord, ouais, sur le truc. Donc on va continuer ce live, enfin cette vidéo, parce que là je crois que ça marchera pas malheureusement. Hein. Je suis pas doué pour faire un live et tout ça. Un live. Du coup, voilà. Alors, excusez-moi. Alors,
Donc, on va continuer à voir ce qu'il y a là-bas. Alors, apparemment, la boîte à choux-cœur, la dernière, est super bien cachée. C'est embêtant. Moi, j'ai pas envie qu'elle soit très très bien cachée. J'ai envie de la trouver, moi. J'ai envie qu'on la trouve avec les abonnés et tout, avec plein de suspense. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Puis en plus, je tourne en rond là dans cette maison. Je suis pas allé voir. Il y a peut-être un truc sous les escaliers, on y pense. Je suis pas allé voir par là. Je vais les voir par là. On dit que j'avais pas mis des blocs. Donc j'ai pas mis les blocs. Ça, c'est des... Après, des fois, ils peuvent me dire n'importe quoi. Hein, ou alors, ils peuvent venir dire: ah, mais non, mais on savait pas. Bref, vous voyez. Alors, ils m'ont encore fait croire qu'il y avait des bottes et choux-de-cœur dans le coin. Je sais pas ce qu'ils veulent faire croire avec leur truc, en Vianney. Et ben non, et ben je crois qu'on est sur une fausse piste. Oh, regardez, il y a une échelle là-bas. Oui, là-bas, il y a une échelle là. Ah mais oui, l'échelle de tout à l'heure, évidemment. C'est sûrement là que s'est cachée la boîte à choux-de-cœur dont on parlait. Oui, c'est sûrement là, tout est là. Ok, donc il va falloir donc on va vite descendre et essayer de la trouver. Oui, bah décidément, ils me préparent des surprises. Alors donc j'ai un peu, ouais, bah, je vais me crafter vite fait une échelle. Alors encore un mur tout noir. Il y a des portails, il y a une torche. Hein. Ça c'est. Ah oui, puis après il faudrait que je trouve de la nourriture tant que j'y pense. Oh oui, c'est totalement noir ce hall. Ah, puis ce hall aussi est totalement noir. Et pourtant, c'était un hall qui était éclairé avant. Mais oui, on est déjà pas. Ah non, on n'est jamais. Ah, peut-être sur ce petit cabanon. Ah, je crois qu'il y a un bug du noir là qui va me faire défaut. Je comprends pas pourquoi il y a. S'il y a une échelle là. Ah oui, non, 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 oui. On est déjà passé par là. Ça, c'est pas le moment où on est passé. Alors, donc, on va continuer. Oui, alors ça c'est pas très bon là que je commence à perdre. Donc j'espère qu'il y aura de la nourriture dans la dernière et précieuse boîte à choux-de-cœur. Alors on va vite fait monter là. Je pense que la boîte est là et que tout est là en fait. De retour sur cette vidéo, oui, j'ai encore eu un bug. Alors là, ils sont partis en gros délire. Je suis monté, j'ai vu des diamants. J'étais content, j'ai voulu miner. Enfin, d'ailleurs, je vais m'en miner un. Ah oui, du coup oui, bah j'ai encore je suis bête moi. J'ai encore réglé le bug au créatif. Alors oui, il y a souvent le bug en ce moment. Franchement, je suis désolé pour tous les passages de survie créatif que je me fais. Oui, donc j'allais dire que je minais vite fait un petit diamant. Voilà, miam miam. Puis après on verra hein, pour la suite. C'est beau les diamants, mais bon, là je m'intéresse surtout à trouver la dernière boîte à choux-de-cœur. Alors, là ils sont partis en gros délire. Ah, qu'est-ce qu'il y a des. Il y a des zombies là? Des zombies? Ah, un générateur, ah d'accord. Allez, yes! Ça manque un peu de pimentage. Dégage, dégage, allez, dégage, dégage. Je t'aime pas, dégage, t'es nul. Voilà. Hop, ah oui, mon tactile recommence à bugger. Tiens, ils vont me dire: ah bah pile, quand il y a des zombies, ton tactile bug, c'est pas une petite excuse? Eh ben non, ce n'est pas. Alors. Hop, au revoir le générateur. Hop, 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 hop. Allez, plus de zombies. Et plus de générateurs non plus maintenant. Allez, dégage. Génial. Alors, ok, j'ai vu un bébé zombie. Or, j'ai maison en bedrock. Ah non, c'est un zombie normal ça. Ah, une maison en bedrock. Alors ça, pff, ils sont partis en gros délire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, forcément, la boîte à choux-de-cœur est dans ce gros bordel, hein. Pourquoi ils ont fait ça? Je comprends pas. Déjà, ils voulaient me déstabiliser avec les zombies. Je suis sûr que. Il y a une torche là, peut-être que c'est là-bas. Hop, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi il y a des planches de partout comme ça? Ouais, ils ont. Je connais un campement, il aime bien le truc bric-à-brac comme ça. Il aime bien le côté mystère, mais d'où c'est comme ça, d'où c'est des. Bref, donc je pense que c'est lui qui a foutu le coup. Oula. Ok. Bon, alors, au pire, on va se prendre. Alors, j'ai un bloc de diamants déjà, là, je suis content. Hein. Voilà, 9 diamants. On va vite fait après se faire une armure. Hop, avec l'établi là. Hop. Hop. L'établi. Et dans l'établi. On peut se faire une armure.
Voilà, ah, j'aurais dû récupérer les autres diamants, je suis bête. Bon, de toute façon, c'est pas grave, hein. Je pense que c'est ici que se trouve la dernière boîte à choucœur, alors ça devrait normalement vous aller vite. Alors, comment on accède à mon armure? Bon, allez, j'en sais rien, on va pas perdre de temps. Donc, on va essayer de monter, là. Alors, où sont mes blocs de bois, s'il vous plaît? Parfait, ils sont ici. Hop. Oui, je sais, depuis ce nouveau système, même mon armure, je ne repars pas où elle est, hein, je sais que c'est totalement pourri. Alors. Oh, je suis tombé encore. Bon, là, ils vont franchement me déstabiliser, là, avec leur truc. Parfait, c'est mieux. Alors, donc, les escaliers. Donc, on va continuer. Ok, là, c'est tout noir. On explique. Ok, elle est dans le coin, là, derrière. Mais. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, ils sont partis dans un. Oui! La dernière boîte à choucœur! Oh, génial! Bon, et eh ben voilà, je leur ai dit, votre fichu. Ouh, ils voulaient me faire tomber. Bon, allez, bref. Ok, donc. Oh, des pommes enchantées et tout me faire. Bref, pas mal de trucs. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, mais n'hésitez pas à me le dire. Et merci, c'était Freddy & Co. Et abonnez-vous!